samedi 22 juin, l'association A4PM remettait les prix du concours littéraire des lycéens du bassin d'Arcachon à la Maison des Arts de Gujan-Mestras. Cette année, le grand lauréat est Clément Curec pour son ouvrage Zéro scène. Déjà sélectionné en 2018, Clément rafle cette fois la mise devant Capucine Lafont pour Lien de sang et Damien Guerrero ex aequo avec Lou Triscos pour le troisième prix. Je me présente, Yvon Téchenet, et je suis le président fondateur de l'association A4PM. Alors A4PM, c'est parce qu'il y a 4 A, et puis en même temps, ça aide, c'est le mémotechnique, hein, le format A4, quand on écrit. Voilà. Alors, le premier A, c'est aide à l'auto-édition, le deuxième A, d'auteur, c'est le troisième A, de la petite mère, PM, et comme on ne veut pas rester entre nous, et d'ailleurs, voilà le quatrième A. On a pensé, comme je le disais tout à l'heure en présentation, de se rapprocher des jeunes, parce qu'on a beau avoir de grandes idées, mais faut-il encore les mettre en pratique? Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de retraités, parce que c'est souvent à la retraite qu'on se met à écrire, parce que là, on a du temps. Et donc on a décidé de se rapprocher des jeunes, et le mieux c'était d'organiser, puisque ça n'existait pas, un concours littéraire des lycéens du bassin d'Arcachon. C'est la quatrième année, on va dans les lycées, on propose un thème, avec évidemment un règlement, et de ce fait, tous les lycées, cette année un petit peu moins, mais participent donc à ce concours. Et aujourd'hui, c'est la remise des prix, donc ça va être la surprise pour certains, parce qu'ils ne savent absolument pas s'ils sont premier, deuxième, troisième ou pas. Et pour les remercier, on a décidé donc d'imprimer leur livre. Et donc le premier, le lauréat, aura 100 livres offerts, le deuxième 50, le troisième, il y en a deux puisqu'ils sont ex aequo, auront 25 exemplaires de leur livre offerts.